Eh bien salut à tous les amis, c'est Warlock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play commenté sur Assassin's Creed Odyssey. J'espère que vous allez bien. Cet épisode ne sortira pas la semaine du 1er avril parce que je n'ai pas eu le temps de filmer. Donc ça sera la semaine d'après. Je vais peut-être en enchaîner plusieurs, je sais pas, on verra. Ça dépendra de comment ça se passe. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Rappelez-vous, la dernière fois on avait tué le veneur et on avait tué Timosa, le médecin. Donc maintenant, on se retrouve, on a fini normalement l'épisode de la traque, donc on va continuer ensemble. On va directement se rendre au repère, là où il y a Nima et Darius. Et puis on va voir ce qui se passe. Alors, en ce qui concerne les jeux. Alors, comme vous avez pu le remarquer, j'ai commencé Need for Speed Hot Pursuit, remasterisé. Ça va nous prendre un moment, donc pour ça, de ce côté-là, je pense qu'on est tranquille. Après, en ce qui concerne le remplaçant de Rogue, parce que Rogue aussi a été fini, j'ai mis Abzu. Abzu, il va se finir en 2 semaines. Donc, au moment où vous verrez cette vidéo, il sera fini. Donc, après, ça sera Journey. Journey va se finir aussi rapidement que Abzu. Donc, ça va être très très rapide, je préfère vous prévenir. Et après le remplaçant de Journey et de Abzu, ce sera God of War 3 que je n'ai pas terminé. Je l'ai commencé en live, je le terminerai en vidéo. Ça me semble plus logique. On va peut-être appeler le cheval. Et en ce qui concerne Spyro, Spyro aussi est fini. Il est fini depuis un moment. J'ai décidé de mettre que Assassin's Creed Odyssey à la place. Parce que je n'ai pas d'idée de quoi mettre derrière, donc j'ai préféré laisser Odyssée tout seul et Odyssée restera tout seul jusqu'à la fin. Et le samedi, pour l'instant, vous avez le retour des Battles de Drift contre Captain Price qui sont là. Il reste pas beaucoup. On est en train de diffuser l'OGR8 et il reste une seule voiture, c'est la Mazda RX-7, donc ça sera facile et très rapide aussi. Après ça, il y aura rien du tout. Donc voilà, donc on va tranquillement rejoindre le repère. Et puis on va voir ce qui se passe. Allez, petit Abraxas. Merci beaucoup. On va le lâcher. Et hop. Bandour. Darius. Alexios. Parfois je rêve d'une vie banale, d'une échoppe sur l'agora, de poissons, d'apprendre à pêcher à mon fils. Tu as déjà songé à mener une vie banale? Je me bats pour le bien de tous, pour ceux que j'aime. Mais c'est toujours à ceux qu'on aime qu'on fait le plus de mal. Nima, prends ta cape. Il risque de faire froid sur la route. Tu penses que nous nous reverrons? Je crois, oui. Comment peux-tu en être sûr? Fais-moi confiance. Actias est mort. Mais l'ordre vit toujours. Et avec Amorges à sa tête, nous sommes tous en danger. Il emploiera toute sa puissance contre nous. Guerriers, ruses, fourberies. Il te traquera sans relâche. Et nous aussi. Contre nous, il n'a aucune chance. Thank you.
D'accord. Ils sont toujours là, quelque part. Alors c'est cool parce que c'était un moment très silencieux. Donc on a fini la track, c'est ce que je pensais. Je pense pas que ça me fasse passer au niveau 68, 9, non, ok. Alors logiquement, on a encore des quêtes. Alors c'est laquelle? Attendre la suite de votre héritage. Rejoindre votre navire. Allez, on va rejoindre le navire qui se situe... Normalement, si je dis pas de conneries là-bas, voilà. Allez, on va s'y rendre. Tranquillement. Je suis en train d'appuyer sur R3 comme si on était dans Valhalla. Après, je sais pas ce que je vous ferai après Odyssée. Moi, je suis pas le genre de gars qui se presse pour faire les jeux comme tout le monde le fait. Tout le monde se jette sur les jeux dès qu'ils sortent et tout. Je vois pas l'intérêt de faire ça. Très sincèrement. Donc, je sais pas ce que je vous ferai après Odyssée. Ce sera sûrement un Assassin's Creed. Hein, ça, ne vous voudrez pas. Hein, voilà. Parce que les Assassin's Creed, j'en ai tellement. Je les ai tous en fait quasiment. Non, quasiment. Ouais, quasiment, oui. Il me manque juste Altaïr en fait. Mais sinon, je les ai tous. Je vous ai fait Rogue, je vous ai fait AC2, je vous ai fait Odyssée. Soit je pars sur un ancien. Soit je pars sur Valhalla en vidéo. Parce que des lives, je n'en ferai pas. Ou je n'en ferai plus. Parce que je n'ai plus envie d'en faire. Pour le moment. Ouais, bien sûr. Après, voilà, si vraiment vous avez envie de me voir en live, eh ben, on fera un live ensemble. Sur le jeu que vous voudrez. Sinon, pour l'instant, il n'y a plus de live. Donc, je sais pas ce que je mettrai après Odyssey. Peut-être sûrement un Assassin's Creed, ça c'est sûr. Faut pas se leurrer. Mais lequel, ça, c'est une bonne question. Je verrai. Peut-être que je ferai Freedom Cry ou peut-être que je ferai Valhalla. Enfin, de toute façon, j'hésite entre ces deux-là. Donc, au moins, c'est réglé. Alors, on va rejoindre notre navire. Ouais, c'est loin. C'est très très loin. 7000 mètres. Là, c'est où? J'ai perdu la quête. Après, faut dire que tout se ressemble. Je vais faire pointer Alexios dans la bonne direction. Ah, mais il pointe déjà dans la bonne direction, ok. Donc, théoriquement, si tu pointes dans la bonne direction, ça veut dire que c'est... Là-bas. Ah voilà, c'est Akaïa. Est-ce que j'ai de quoi me marrer ici, m'amarrer, pardon. Non. Si, là. J'ai pas envie de mettre de temps de chargement, donc on va y aller en bas tout. Non, on va se taper. J'ai pas envie parce qu'en bas tout ça va être 1m100 aussi. Allez, c'est parti. Petite épée des familles qui va durer 150 ans parce qu'on est dans Assassin's Creed Odyssey et que c'est un jeu qui est sorti en 2018. C'est le cas aussi pour The Crew 2. On est à 8 minutes de vidéo, ça va, c'est tranquille. Peut-être que je vais en enchaîner plusieurs, je sais pas, je verrai. Mais c'est bien possible que je fasse ça. Donc voilà, donc là on est dans un temps de chargement, on sait pas combien de temps il va prendre. Parce que Ubisoft, cette année-là, ils ont décidé de faire des jeux à temps de chargement. Autant pour Assassin's Creed que pour The Crew 2. Alors, verdict. Allez, tu peux le faire. On est tous avec toi. Tu es capable. Ah, bah, il a fait vite quand même, ça va. Il est encore. Voilà. Il est juste derrière moi au calme, ça va, mais à part ça, ça va. Bonjour. Encore un temps de chargement. Il te repose jamais. Après la Macédoine, après le veneur, nous sommes en sécurité nulle part. Dans le monde grec, nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous devons toujours fuir.
patrie, pas d'amis. C'est une vie bien solitaire. C'est pourtant la vie, Alexios. Et nous n'avons pas le choix. Mieux vaut une vie solitaire que pas de vie du tout. Mima va-t-elle nous rejoindre? C'est pour cela que j'ai envoyé le message. Des ennuis? Nous sommes venus en Akaya afin de trouver un bateau en partance pour des rivages lointains. C'était un plan simple, mais comme beaucoup de plans simples... Les choses se sont compliquées. Cette flotte est en partance pour Patrai. Ce n'est pas la première. Mais quelque chose ne va pas. Les patrouilles, les blocus... Nima est partie nous trouver un bateau, mais elle n'est pas revenue. Mais j'en ai un bateau, moi. Tu dois bien avoir une idée de ce qui est arrivé à Nima. Elle est rusée, et elle sait rester discrète. Avec tous les soldats stationnés en Akaya, elle doit se cacher. Je ne pense pas qu'elle soit... Sois confiant, Darius. Qu'est-ce qui se passe ici, à ton avis? Quelque chose d'important. Nima en sait peut-être davantage. Peut-être est-ce un méfait de l'ordre. Raison de plus pour la retrouver. Ah ben, je vais aller m'en occuper. Nima ne sera pas difficile à trouver. Elle a pris cette route vers Patrai. Alors commençons par là. Suis-moi. J'ai déjà sauté le plus haut. Hé ! Toi là ! Sur mon toit ! Oui ? Il n'est pas à toi, ce toit ! En effet, oui. Ah, on va appeler le cheval le cheval métal. Allez hop, poussez-vous, messieurs dames. Je n'ai pas que ça à faire. Il est arrivé quelque chose à Nima, ici et pas près. Il faut la retrouver. Nous la retrouverons, Darius. Nous la retrouverons. Vous avez rien à raconter, messieurs, pendant le trajet? Après la Macédoine, avant la Gaïa, que faisiez-vous, toi et Nima? On survivait. Ça n'a pas l'air bien passionnant. Tu espérais que je te divertisse encore avec les aventures des gens? Eh bien... Oui. Nous sommes restés dans l'ombre, loin des gens. L'ennui est une sécurité, Alexios. L'aventure... Les armes sont celles d'un soldat, pas celles de Nima. Continue à chercher. Ok, alors ensuite. Une armure lourde, du sang, mais pas de cadavre. Si Nima a laissé ça, c'est qu'elle a dû agir vite. Ok. La suite, ça devrait être là. Darius, aucun signe de Nima. Il n'y a que des provisions et de l'équipement militaire. Là, un sentier qui mène dans les montagnes. Allons-y. Allons-y comment? Ah, ok, d'accord. Comment es-tu sûr que Nima est parti par là? Regardez plus loin que le bout de son nez. Tu as vu? Il y avait des gardes au pont, à la vue de tous. Et Nima n'est pas imprudent. Il y a un ours et tout, s'il te plaît. Et dis pas qu'on va scolchiner l'ours. Ah, ok. Ah, si, on s'accompagne avec un ours. Ah bon? C'est un passage. Au secours.
Bon, alors. On a perdu Darius, mais il y a eu une embuscade. J'ai préféré m'en occuper. C'est bon? Allez, on peut y arriver. Alors, on ralentit. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est ma manette ou si c'est le jeu qui veut ça. Ah, logiquement, j'y suis. Ils cherchent quelque chose. Regarde leur posture. Ils sont assoiffés de sang. Je vais leur en donner. Il nous faut un plan. Si Nihima se cache, elle pourrait être entraînée dans un combat frontal. En agissant discrètement, on peut éliminer les gardes un par un. C'est un plan sage, porteur d'aigle. Tuez les tous. Ok. Alors, de la discrétion. Je dois me montrer plus prudent par ici. Est-ce que je suis capable de faire ça? Aussi. Ouais, mais pour faire lui là-haut, il faut que je m'occupe de lui pardon pour vos oreilles. Hein. Allez hop, ça c'est fait. Normalement ça passe. Ça passe. Et ça passe. Je suis contente de te revoir, Alexios. Et je suis aussi contente de te revoir. Quand j'ai su que tu avais peut-être des ennuis... Tu as sauté sur ton cheval et tu t'es précipité à mon secours. Avais-tu vraiment besoin de secours? Peu importe. Ma fille... Il y a autre chose. Il faut retrouver ma mère. D'autres ont besoin de notre aide. Des gens qui se sont réfugiés en Akaya. Les soldats les ont emmenés vers un fort, non loin d'ici.
J'y vais maintenant. D'autres soldats pourraient venir. Si nous laissons ces cadavres ici, ils pourraient attirer l'attention. Je vais rassembler les autres pendant que tu caches les corps. Les réfugiés se trouvent au fort en haut de la falaise. Fais attention à toi. Ok. Ramenez-moi ma mère, s'il vous plaît. Alors. Je les vois. C'est bon? On va en profiter pour scanner tout ça, mais c'est membre du culte ça. Ouais, c'est des gardes membres du culte. Je sais pas si je l'avais déjà fait ce fort, mais logiquement. Ça veut dire qu'il va falloir que je réassassine tout le monde. Et il y en a une autre là-bas, ok. Alors. Est-ce que j'ai eu tout le monde? La grande question. Logiquement, oui. Non. Ouais, ok. Icaros, tu fais mal ton travail. C'est pas cool. Alors, ça fait déjà 22 minutes d'épisode. On va continuer. Je vais tous les gifler. Et puis, je vais récupérer la quête qui se trouve ici. Comme ça, c'est fait. Logiquement, je dois avoir de nouvelles quêtes. Parce qu'on a dû passer à l'épisode 2. Même si j'ai pas eu le titre de l'épisode. Allez, on va rejoindre Alexios. Voilà. Alors. Quoique, je sais pas en fait. Est-ce que j'ai eu le nom de l'épisode 2 Non, pas spécialement. Allez, c'est parti. On va aller se faire le fort, normalement, niveau adrénaline. Ouais, je suis quasiment plein. Alors, logiquement, si je ne dis pas de conneries, les gardes du culte, ils sont compliqués à buter. Donc, avance. Oh putain, il y en a un qui arrive déjà pour commencer direct. Alors. Ah, je l'ai déjà fait ce fort, ouais, je l'ai déjà fait. Il n'y a pas de flamme, hein? Non, il n'y a pas de flamme. Allez, direct, ça dégage. Pourquoi est-ce que j'ai un marqueur là-bas? Attendez, je vais enlever le marqueur vite fait. Ouais, voilà, hop. Merci. Donc, ça peut monter ici. Ok. Donc, il faudra vraiment que je fasse attention. Ok, ensuite, maman, si je ne dis pas de conneries. Voilà, ça c'est fait.
Il y en a un ici. Tu me fais dos? C'est merveilleux. On va essayer de tous les gifler si c'est possible. Ah, là j'arrive en bout. Ok, donc là je suis en bout, donc logiquement il ne devrait plus y avoir personne. Ça risque d'être beaucoup plus lent hein, comme épisode, je préfère vous prévenir. Donc logiquement là-haut je l'ai nettoyé, hein. Logiquement. Quand même faire très attention parce qu'il m'en reste 3 ici, 4, 5. Il m'en reste que 5. 3 et 2. Ah, il m'en reste que 5. Non, 6. Ouais, non, il y en a 6. Il y en a encore 6. Il me reste 3 barres d'adrénaline. Ah, les carrosses. Toi, tu vas aller de l'autre côté, je crois, me semble. C'est vraiment cool. Allez, hop. Allez, dégage. Bon. Alors. Logiquement, toi, je pourrais te défoncer la gueule, non ? Ouais, logiquement, je peux te défoncer la gueule, donc on va pas se gêner. Voilà. Là, théoriquement, il me reste pas beaucoup, en fait. Il m'a vu comme par hasard. Voilà. Au moins tu m'as servi à recharger. C'est pas plus mal. Allez hop, ça dégage. Bon, je me suis fait repérer, mais logiquement, ça devrait aller. Alors ensuite, la prochaine victime, c'est toi. Ah, il y en a une autre là. Oh putain. Foiré de jeu. Là. Bon, théoriquement il en reste combien? Il me reste 4. Ouais, 4. Non, 5. Je vais jamais m'en sortir. Hein. Il y en a beaucoup trop. Bataille de coquet disponible, ok, c'est cool.
C'est que des chefs. Affolant. Ok, ça c'est fait. Donc là, ouais, il m'en reste. Les autres sont au pied de la montagne. Ok, donc là, il m'en reste vraiment 4. Si je peux, faudrait que j'aille m'occuper de lui. Ça, je récupère la quête aussi en passage. Parce que les quêtes annexes, tout ça et tout, je vous avais dit que je les faisais en off, donc. Pas de raison que je m'en occupe maintenant. Ah, c'est ça, t'as raison, vas-y, viens, viens. Arrête de cramer, s'il te plaît. Merci. Voilà. Ensuite, il me reste toi là-bas. La quête ici, je vais la récup. Nous avons aidé votre culte. Il est temps d'honorer votre dette. Voilà. Signé la tempête. Ainsi, l'ordre et le culte sont de mèche. Rien d'étonnant. Non, tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Bon, allez, vas-y, viens. Puisque tu fais le mariole. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite toi. J'ai vu que toi tu étais descendu. Ton enfant est au pied de la montagne avec les autres. Va! Allez hop, ça dégage. Il m'en reste un. Voilà, monsieur. Retrouver Nima au pied de la montagne. Hop, c'est là-bas. Ah ouais, c'est là-bas. Allez, YOLO. Allez, YOLO, suicide. Le suicide.
Bon, ça va, j'ai été plutôt rapide parce que j'ai été repéré à chaque fois. Donc c'est plus simple comme ça en fait. Chaque jour plus pressante. J'ai découvert un message adressé à une certaine tempête. Je vois que tu la connais. Tout le monde en Akaya connaît la tempête. Elle est le capitaine le plus impitoyable de toutes les villes. Ceux qui l'ont affronté ont péri. Toute cette rage. Poséidon lui-même la craint. J'accueille dans mon village tous ceux qui ne peuvent lui échapper. Toutefois, ils ne peuvent rester ici indéfiniment. Le port est fermé et les soldats scrutent la région. Je réfléchis à un plan pour les faire sortir d'Akaya. Si tu veux nous aider, Mystios, viens me voir à Bura. Cette femme en sait plus qu'elle m'en dit. Peu importe. L'ordre est ici. Amorges et les autres ne pardonneront pas nos actes en Macédoine. Il n'aura pas oublié la mort du veneur, assassiné par les impurs. Sa ruse est acérée comme une lame. Peut-être même est-il déjà ici, en train de nous observer, épiant nos moindres faits et gestes, découvrant nos points faibles. Ces gens viennent de tout le monde grec et d'autres contrées lointaines. Marchands, paysans, marins, familles entières. On les emprisonne et on les interroge à propos de la Macédoine. À cause de nous, s'ils souffrent, c'est parce que l'ordre nous recherche. Ces gens ont besoin de notre aide. Il faut faire quelque chose. C'est pour cela que nous nous battons. N'en valent-ils pas la peine ? On ne peut pas les sauver. Pas si la tempête est toujours puissante. Il faut l'attaquer. C'est la seule façon de permettre aux réfugiés de rentrer chez eux. Il faut se mettre au travail. Par où veux-tu commencer ? Les forces de la tempête ont envahi Petrae. Je vais y aller pour tenter de trouver des indices sur la fermeture du port et d'en savoir plus sur la tempête. Et cette femme, Cléta ? Elle en sait davantage sur la tempête. Mais elle a besoin d'aide. Les gens du Bura aussi, d'ailleurs. Tu pourrais leur être utile. Alors je vais aller la voir. Eh bien, ton père s'est soigné ses sorties. Où est-il passé ? Il a suivi une piste qui mène jusqu'à Petrae. Tu le trouveras dans la coque d'un bateau près du port de la ville. C'est là qu'il se cache. Ok. Face à nous trois, la tempête n'a pas la moindre chance. Nous allons la briser et... Ensuite, nous pourrons quitter le monde grec pour de bon. Je vais aller au port et tenter de pister cette tempête. Elle n'est certainement pas la seule de l'ordre en Akaya. Je vais voir s'il y en a d'autres. Adieu, Alexios. À bientôt. Voilà. 40 minutes. J'adore comme les épisodes ils font 100 ans. Ah, Ubisoft te présente. L'héritage de l'ombre. Ok. Bon, et eh bien écoutez, c'est parfait. Ah, plusieurs cataxes. Je suis toujours pas niveau 109, ça m'énerve. J'aimerais bien passer niveau. J'aimerais bien monter en niveau en fait. Enfin bref,
C'est ici qu'on va s'arrêter, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser votre meilleur pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, on se retrouvera vendredi prochain pour la suite, ne vous inquiétez pas. C'est pas fini, il faut que je fasse les deux DLC, donc on est quasiment à la moitié, on va dire, donc du premier DLC, et après il nous restera le deuxième, donc voilà. Enfin bref, prenez soin de vous, c'était Warlocks, salut.